La Sainte Vierge nous enseigne la dévotion au sang très précieux de Jésus-Christ. Toutes les grâces reçues de notre Seigneur passent d'abord par les mains de Marie. Les âmes ne reçoivent jamais de la bonté du Seigneur aucune grâce qu'elles ne passent d'abord par les mains de sa très sainte Vierge Marie. Sa très sainte Mère. Or, ce précieux inappréciable du sang très précieux de Jésus est déposé dans les mains de Marie non seulement pour l'offrir continuellement à l'Auguste Trinité, en faveur des âmes recommandées à sa protection maternelle, mais encore pour les enrichir comme d'un gage assuré de la bienheureuse immortalité. C'est pourquoi Sainte Marie-Madeleine de Pazzi avait souvent recours au Seigneur en faisant cette prière. « Je vous offre, ô Père éternel, le sang de l'humanité de votre Verbe. Je vous l'offre à vous-même, ô Verbe divin. Je l'offre encore à vous, ô Saint-Esprit, et dans tous mes besoins. S'il me manque quelque chose, je vous l'offre à vous, ô Marie, afin que vous le présentiez à la très sainte Trinité. » C'est avec raison que l'offre du précieux sang du Sauveur se fait par les mains de Marie, puisque le sang très pur de Marie, rassemblé d'une manière ineffable dans ses entrailles immaculées par l'opération du Saint-Esprit, a donné naissance au sang divin de Jésus-Christ. Le lait même avec lequel elle nourrit l'enfant divin se changea en une égale quantité de sang que ses veines versèrent pour la rédemption du monde, dit saint Athanase. Ainsi, l'âme dévouée à la Vierge peut répéter souvent les paroles de saint Bonaventure. Je mêlerai le lait de la mère avec le sang du Fils et je m'en ferai un excellent breuvage. Dès l'instant où le prophète Siméon prédit à la Vierge Marie cette épée de douleur qui devait lui transpercer le cœur à la mort de son fils Jésus, elle offrit ce sang précieux au divin Père. Saint Arnoul de Chartres nous rappelle « Il offrait en même temps à Dieu un holocauste, l'un du sang de son cœur, l'autre du sang de sa chair. » Or, cette offrande qu'elle fit de son Fils unique sur le calvaire, au pied de la croix, elle ne cesse de la faire continuellement avec son cœur de mère devant le trône de Dieu, en faveur de ses fils, de tous ses enfants, aussi pécheurs qu'ils soient. Ce qui doit nous faire espérer de recevoir à chaque heure, au moment d'une aussi puissante protection, par la vertu efficace du sang de Jésus, la rémission de nos fautes et les grâces que nous demandons. Telle est la consolante pensée de saint Antoine qui nous dit « Nous avons un sûr accès auprès de Dieu où la mère se tient devant le Fils et le Fils devant le Père. » De plus, Marie est la bienfaisante dispensatrice de ce sang qu'elle verse sur les âmes avec les trésors de la divine miséricorde. Quelles ne doivent pas être nos espérances? Marie l'offre. Marie nous le distribue. Dans les mains de Marie est placé ce précieux trésor. Je veux tout espérer des mérites du sang de Jésus, unis aux mérites d'une pareille mère.
On lit dans la vie de Saint Dominique qu'on vit la Sainte Vierge répandre le sang de son divin Fils sur le peuple accouru pour écouter les discours de ce serviteur fidèle. On raconte aussi que, voyant peser devant Dieu les œuvres d'un de ses serviteurs, comme le côté de la balance où étaient ses nombreux péchés, se trouvait bien plus lourd que l'autre. La bienheureuse Vierge Marie plaça une goutte du sang du Christ dans l'autre plateau, dont le poids devint aussitôt supérieur à celui des péchés, qui déjà inclinait la balance vers les profondeurs de l'enfer. Ce que la Mère de Dieu a fait plusieurs fois à l'avantage de ses serviteurs, ne devons-nous pas espérer qu'elle le renouvellera en notre faveur ou en faveur de ceux qui ont recours avec foi à elle ? Prions. Ô Vierge très sainte, Marie, ma mère, quelle pensée consolante que de songer que ce trésor inestimable est placé entre vos mains. Présentez-le pour nous devant le trône de Dieu et versez-le pour les âmes. Voyez nos souillures, notre péché, et avec ce sang immaculé, purifiez-nous. Voyez notre faiblesse, avec ce sang, fortifiez-nous. Voyez nos misères, avec ce sang, enrichissez-nous. Il n'est rien que nous n'espérions. Une seule goutte de ce sang que vous verserez sur nous suffit pour nous sauver, nous rappelle Saint Dominique. Nous vous supplions donc humblement et dans toute l'affection de notre cœur, ô Mère de pureté et de sainte espérance, de nous obtenir cette grâce. C'est de pouvoir, dans ce sang sacré de Jésus-Christ, purifier notre esprit et à l'avenir le conserver pur et immaculé. Et nous voulons te reprier avec Saint Anselme. Je t'en supplie, sois mon salut et ma protection auprès de Dieu Tout-Puissant, afin que ce bon pasteur, ce prince de la paix, me purifie des souillures de mon péché. Que celui qui est venu au monde par vous, ô la plus chaste des vierges, pour sauver avec son sang le genre humain, daigne nous sauver dans sa miséricorde. Ô Marie, faites qu'il nous sauve par son sang, lui qui a tant de miséricorde, et dans sa miséricorde infinie l'a répandue pour nous tous. Ô Jésus miséricordieux, toi qui brûles d'un si ardent amour pour les âmes, nous t'en conjurons par ta sainte agonie et par les douleurs de ta sainte mère immaculée, purifiée de ton précieux sang. Nous soyons tous purifiés. Avec tous les pécheurs de la terre qui sont à l'agonie peut-être aujourd'hui, et qui vont même peut-être faire ce passage. Oui, ô Vierge Marie, Vierge Sainte et Mère Immaculée, Notre-Dame du précieux sang, intercède et offre pour nous. Amen.